Bonjour YouTube, bienvenue sur cette dernière partie d'Alice Madness Returns. On est au chapitre 5, le chapitre, pour ceux qui connaissent, des poupées. Donc je sais que ça fait flipper certaines personnes. On venait de vivre la scène dans l'asile, hein, donc tout le monde nous croit folle, c'est la dinguerie bien sûr. On avait rencontré la reine, qui, si je ne me trompe pas, a dit que tout venait du train. Or, le train, on a bien compris, il représente Bumby. Bumby qu'on a vu être coupable. Il a peut-être violé notre sœur. En tout cas, il l'a bien touché, enfermé dans sa chambre, puis foutu le feu à la maison. Quelqu'un de délicieux. Voilà. Donc, on va aller, je pense, à son encontre. Parce que c'est lui qui a foutu le train en marche, en voulant qu'on oublie. Allons-y. Merci beaucoup, Carnet Lunaire, pour ton resub. Un homme charmant. C'est parti pour le chapitre 5. Directement. Dans la zone. Avec de jolis cris dans le fond de la musique. Et une robe style poupée. Donc il est probable que ça parte en souvenir traumatisant d'enfance, hein, mais... En fait, c'est plus ceux de Lizzie que ceux d'Alice. On va regarder ce que j'ai à améliorer. Je crois que j'ai plus qu'une arme à améliorer. C'est le cheval à 775 dents. Donc on est assez proche du 100% des armes. Allons-y. Le train est dans cette direction. Alice n'a rien subi. Bah, on va voir, mais il ne me semble pas qu'elle ait subi ça. Petite bouteille. Ça y est, on est encore sur des zones qui font freeze le jeu. Un délice. Avec en bas un gros garbage. Je sais pas si je pourrais faire demi-tour. Loin. Est-ce qu'il y avait une dent dorée? Mais on n'en a pas vraiment besoin. Je suis vraiment censé... atteindre ça, parce que c'est vachement haut. C'est probablement du 60 FPS, là, non? Il me semble bien. Mais il n'y a pas d'option, hein. Tu joues avec ce que tu peux. Mais j'arrive déjà pas à aller là-bas. Qu'est-ce que j'ai raté? J'ai raté un truc. Attends, je vais faire un demi-tour. De base sur PC, faut modifier dans un TXT pour le jeu pour être en 60. Alors j'ai rien modifié, donc ça doit être du 30. J'ai rien modifié. Mais je sais pas, ça me paraît assez fluide. Quand je compare au let's play sur PS3 qu'on avait fait, j'aime bien comme ça. Je savais pas qu'on pouvait modifier ça. Ah bah oui, il manquait bien quelque chose. Attends, bah du coup, laisse-moi récupérer cette dent. Laisse-moi récupérer cette dent!
Merci. J'y vais. J'ai pas peur. Les enfants adorent les jouets, et nous adorons les enfants. Qu'ils deviennent adultes, et alors tout se perd pour eux, comme pour nous. J'aime bien les petites jambes sous le miroir. Et là, c'est les bras des poupées. Attends, c'est la suite, ça ? Ou c'est juste une bouteille ? Ça sent le blocage. Je vais aller voir de l'autre côté. Hein. Non ! Ah bah tu m'as remis ici, dis donc, c'est vachement loin. Sympa ce petit papillon, hein, il représente un papillon. Ça m'angoisse. Il y a deux chemins. Ça gruique. Les deux chemins avaient l'air d'emmener au même endroit. Du coup, parce que ça a dû se baisser ici. Très bien. Nous sommes sauvés. Ici. Il n'y avait pas un champignon? T'as vu un champignon? Non, non, mais je crois que... Peut-être que c'était pour remonter ici, mais... Je crois qu'on est bon, là. Tiens, Jabberwook. Tête de poupée dans la décharge m'a fait penser au monstre de Sea of Solitude.
C'est l'œil de Maugret. Cherche et tu trouveras, dit-on. Mais on ne dit pas quoi. Ah, ça c'est bien ça. Ça c'est... C'est tellement horrible. J'aime bien tout regarder, hein. Dans ce chapitre, je trouve que tout est dégueulasse. Bon, Anou, qu'est-ce qui t'arrive, toi? Ça va? Ah bah! Vache! Bonjour. Ceux qui sont instables ne sont pas seulement fous. Leur assemblage est compliqué. Le marionnettiste les privera de ce qui leur reste de leur âme. Aidez-les. Je comprends leur souffrance. Je les aiderai. Mais est-il nécessaire d'être sain d'esprit? Un petit peu, mais... Vous n'êtes pas assez folle pour être recalée. Vous êtes comme eux, en quelque sorte. Mais vous n'êtes pas eux. En fait, je devrais dire nous. Car je suis eux et vous venez à nous. Le chemin est clairement indiqué. Je crois connaître le chemin. Et j'aimerais mieux ne pas m'y engager. Il est là, imbécile. Rentrez. Bon, ça représente les gamins dont Bumby s'est occupé. Bonjour. Alors comment on s'occupe de toi? Ah, t'as perdu tes bras. Ça va, il est pas très effrayant. Ah oui, j'adorerais l'image de ce passage dans la poupée, là. Ah.
truc là-haut? C'est quoi cette horreur? Fort résistance. Il y en a un qui est en T-pose là-haut. Ah. Vous voyez la porte là-bas? C'est horrible cette image, je trouve. Je sais pas ce qu'il y a ici, mais peut-être pour plus tard, hein, on va commencer par là. Il est bien connu que celui qui dîne avec le diable doit avoir une très longue cuillère. C'est bien connu. Je me souviens plus de l'explication de cette expression. Pour pas te faire bouffer, je crois. Voix des grenouilles. Pour rester à l'écart, ouais, c'est ça. La dépendance est une vertu, selon le lieu. J'ai pas raté un truc là. Ouais, c'est dans le bouquin, je crois. Humpty Dumpty. Je me souviens plus si c'est dans le premier ou le deuxième, ou les deux. Nice. 775. Ok, on y est presque. Oh, un souvenir de Bambi. Ah.
Chaque enfant a un destin. C'est aux adultes qu'incombe la lourde responsabilité de guider les jeunes personnes. J'aime bien parce qu'on peut tout interpréter dans ce... dans ce chapitre. J'ai cru que j'avais raté un truc parce qu'il y avait le champignon. Je trouvais suspect. Ah, ça doit être après, il y a un levier là-haut, ça va se retourner. J'apprécie le petit tic-tac aussi, depuis le début. On va éviter de toucher ça. Ajoute des trucs là-bas. Technique de speedrun là, vas-y, traverse, traverse. Non? Le psy a un mode d'éducation à la grecque. Ugh. Encore un souvenir. Les preuves sont nombreuses. Toute créature a un destin. Il est de mon devoir de trouver celui de ces jeunes personnes, qu'il soit ornemental ou utile. C'est de l'histoire. C'est de la mythologie. C'est bon pour le cheval-bâton ? C'est bon pour le cheval-bâton. Et voilà. Il est à fond. C'est maintenant une licorne bâton. Ouf. T'as le dernier coup, il doit faire mal, hein. Évidemment. Mais ta main en dessous. C'est quoi le pouvoir de la robe? Je ne le connais pas. Je crois que quand tu joues la première fois comme ça, tu n'as pas forcément de pouvoir. C'est si tu l'équipes. Il me semble pas que ce soit actif là comme ça. Bon, je sais pas pourquoi je... Ah, bonjour! Je crois qu'il faut avoir fini le chapitre pour avoir vraiment le pouvoir de la robe, ou alors celle du DLC. Je
Laisse-moi faire mon combo, là. Arrêtez le chili, madame. Ouais, le DLC, c'est juste des robes. Hein. C'est juste des robes avec des pouvoirs, mais je l'ai pas sur ce... Sur cette version, je l'ai sur PS3 et encore, on a ouvert le jeu PS3 l'autre coup et on les trouvait pas. Donc je sais pas ce que j'ai fait avec. J'ai eu la dent, je m'en fous, je l'ai eu. C'est celle du DLC qui ont des pouvoirs. Non mais il me semble aussi que... Ou alors peut-être que ça ajoute des pouvoirs à celle existante. Hein. Parce que ça me dit quelque chose. Hein. J'y ai pensé quand j'ai dit j'ai eu là-dedans. On n'est pas dans BioShock. Oups. Plus Gigi Fox. Bon courage pour les cours. Non, le fait qu'on ramasse des dents, je pense que c'est juste pour le côté un petit peu glauque. Je pense pas qu'il y ait une vraie signification. Champignon bleu. Même pas. Oh. Ça gruique. Ouais, rapport à l'enfance, peut-être. Les dents de lait. Pourquoi pas? Descendrait plus. Le fameux gland de lait, bien sûr. Cette fameuse blague. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. J'ai l'impression que je ne dois pas du tout être ici à la base, mais bon. On est ravis. Ouais, j'ai du mal à me repérer aussi, hein. Ça doit être la suite. Mais ouais, je veux le Gruik. Peut-être que le Gruik est là.
le lit avec un petit peu de sang. Ça, je l'ai fait, là. J'imagine que ça va se rouvrir. Je ne sais pas, j'ai pas bien compris, mais... Tu veux pas viser le petit là-haut ? Non ? Ok. Oh là, il y a du monde par ici. Il y a du monde et la caméra n'est pas avec nous. On bouge de là, s'il vous plaît. La suite est ici. Là, il y a des trucs. Vous entendez un groin, vous ? Mais où est-il ? Bon, c'était celui-là qu'on entendait. Ouh, souvenir Lidl. Secret dans un secret. Les pires. Le docteur Wilson n'est pas dupe, Alice. La discipline est obligatoire. L'hygiène est en option. Même si vous croyez déjà tout savoir sur l'électricité, vous n'en savez même pas la moitié. Elle peut se montrer très pédagogue, très stricte, exigeante. Est-ce qu'elle parle des séances d'électrochoc, là ?
Tu n'es pas une chatte, ma chérie. Toi, tu n'as qu'une seule vie. Je t'en prie, fais attention avec ces couteaux. Alright, alright, alright. Caméra, s'il vous plaît, caméra, arrêtez. Merci. Tu risques de te pincer très fort. Ah bah d'accord, oui d'accord, c'est fermé. Cherche bien et tu trouveras souvent, si c'est trouvable. Un truc qui clapouille là. Ah mais oui, mais je t'avais pas vu toi. Ça dégage. Ah, à tous les coups ils reviennent en boucle. Laisse tomber. Ça gruic, ça gruic. De me tirer dessus là. C'est bon là? Where is le cochon? Je ne sais pas où il est. Parce que j'ai peur d'aller là-bas, c'est vachement loin. Ah, mais il est en bas. Super, des dents, ça sert à rien. Qu'est-ce que j'ai voulu faire là? Non, là, les dents ne me servent plus. Je peux plus rien améliorer. Le retour des cubes. Rude vie pour les dents. From MVP, tout le banc de remplaçants.
Je viens de terminer le chapitre 4, j'arrive seulement maintenant, j'ai loupé un souvenir important. Pas forcément, hein. On a entendu parler de... On a vu des petits enfants difformes parler d'un marionnettiste. On n'est pas dupes, il s'agit de Bumpy et les enfants sont ceux dont il s'est occupé. Est-ce que c'était ouvert, ça ? Et depuis le début, on a des souvenirs et des images à base de... d'attouchements, de viols, de s'occuper des jeunes enfants. Bref, des trucs dégueux comme ça. Ta boule. Il a plus envie. Ça y est, ça y est. C'est régu. Ornemental, ou utile. Ouais, c'est ce qu'il disait. C'est le dernier, je crois. Oui. Ah, vous savez que je suis très très doué pour ce jeu. Il ressemble à ça, on sait pas. Il existe une technique. Ah. Moi, je fais au hasard et au bout d'un moment, ça passe. C'est ça ma technique. Ah, les enfants de putain. Vous voilà. Ah oui, ça va, ils explosent. Ravi de vous rencontrer. Les enfants de Eve, finalement. Ah, big up. Big up à toutes les Eve du chat. Mmh.
Ouf, j'ai cru que j'allais exploser. Raté. Ah mais ça m'a validé. Bah alors. Alors ça. Ça c'est toute une surprise. Technique de speedrun encore pour valider le checkpoint. Voilà, va essayer de les toucher. Je suis sûr que je le touche derrière le mur. Yes! Ça, c'est une technique de filou, comme dit Dame Dame. Ma tête. Il y a de bouteilles en tout. 13. On n'a pas vu encore une salle radula. Alors qu'on a fait un sacré morceau là. Dans les maisons de poupées. Petit filou, c'est pas les yaourts. C'est des tubes. Mais c'est pas des pots. Mais ils ont tout ce qu'il vous faut. Ah, cette énorme tête là. Objet à sa fonction, même le plus modeste des entonnoirs. Comment voulez-vous passer le gin du tonneau à la bouteille? Ok, pourquoi pas. Ah bah tiens, il suffisait de se plaindre, hein. Plaignons-nous. J'ai toujours pas eu 1 million d'euros, franchement... Ça commence à faire long, hein. J'attends. J'attends ma maison, là. Elle arrive quand? Oh, Alice, aucun indice. Celui qui l'utilise ne s'en apercevra jamais. Qu'est-ce donc? Celui qui l'utilise ne s'en apercevra jamais. Une cravate, comme les monstres aux cravates d'Isaac. De l'assurance, comme ma sœur et son assurance voiture. Un cercueil. Du sucre. Tiens, tiens, tiens. Nous allons choisir le cercueil. Excellent. Ah, merci. Je pense qu'elle s'en sert, ouais. Elle s'en aperçoit, effectivement. Un cercueil comme la sœur d'Alice et son cercueil. Ah. Un message digne du juriste. Votre sœur n'a jamais brûlé.
Pourquoi le cercueil? Bah, parce que quand tu l'utilises, tu t'en aperçois pas, t'es dead. Enfin, en général, après, tu fais ce que tu veux, hein, mais... en général... Après, nous, on juge pas, hein. Si tu as des délires de ce genre, moi, ça me pose aucun problème. Du moment que tu fais ça avec des personnes consentantes... Y'a rien à récupérer sur les côtés là? Cela m'a l'air d'aller parfaitement. Je sais de quoi je parle. Utilise donc ta nouvelle caboche. Ah oui, je me souviens. La tête de poupée. En mode faux. Faut pas trop se planter. Oh non, c'est pas le moment là. Raté, bravo. Quand tu veux. Attends. Attends! Je voulais aller de l'autre côté. Je voulais visiter. Oh! Fallait maintenir, qu'elle a dit. On n'a plus besoin des dents, mais bon. On jouait à Golf It. Ouais. J'ai vraiment l'impression de jouer à Golf It. Je suis toujours aussi mauvais. Non, on n'a pas encore passé la dernière porte enflammée. Oh là là. Où suis-je? Where is ma tête? Ok, ma tête est là. C'est bon, je crois. C'est bon. On commence à changer un petit peu d'ambiance. Ah mon dieu, ces trucs là-haut qui tiennent les bougies. Apparemment, la bouteille qui me manquait dans le chapitre précédent était dans un
dans un toboggan comme ça. Fallait sauter en plein milieu. Des enfants de putain. Ouais, d'une pierre deux coups. Ambiance saut. Ambiance barbelé, clou, vis. C'était peut-être ça, Pic, ouais. Ouh, le groin. Mais attends, je peux rentrer là-dedans? Ah, l'image. Ah, mais on la voit plus. On m'a demandé d'identifier votre famille à la morgue d'Oxford. Votre sœur était tout à fait reconnaissable. Contrairement à vos infortunés parents. Elle est dégueu celle-là. De rappel, ouais. Rem et Win. Est-ce qu'on a raté vraiment un souvenir important? Je crois pas. Je sais plus quand est-ce que t'étais parti, mais... Je peux marcher là-dedans? Non. On me remet au début. Pas de souvenir de Lizzie, non. On a eu un souvenir de la mère d'Alice qui nous disait que nous n'étions pas une chatte. Car nous n'avons qu'une seule vie. Crabouillé. Poc. D'ailleurs, on voit des trucs de marionnettiste là. Le pentagramme.
C'est vraiment dégueu. J'adore. Et là, comment je vais ici, moi? Ça sert à rien. C'est donc primordial. Non, ça se casse pas, ça. Non mais ça va sûrement bouger et on va retourner dans une ancienne zone. Tu vois la bouteille là, c'est celle qu'on voyait. Voilà. Par contre... ouais, c'est ouvert maintenant. Voilà, donc c'est bon, c'est bon. Ouais, le cheval bâton est amélioré à fond. Il fait des énormes fins de combo. Petit coup de corne de flamme, là. Ça manque quand même d'un petit renouveau au niveau musique, hein. Oh god. Est-ce qu'on a eu des 100%? Ouais, le chapitre 2, je crois. Chapitre 2 et peut-être chapitre 3? Je sais plus. Non, chapitre 3, il manquait une salle Radula. Merde, je tombe. Bien raté là. Attends, ça revient au même ? Oui. Yeah.
Qu'est-ce que tu fabriques là? Bon, il y a forcément un truc là-dessus, mais plus tard. Ah d'accord, c'est si tu descends. Oh là là, je crois que j'ai vu un souvenir, mais... Putain, j'ai rien compris. J'ai rien compris. Donc, il y a un souvenir là-haut. En plus, je crois que c'est chez Lidl. Je pense que la suite est ici. Mais il y a peut-être un truc là-bas aussi. Mais ça monte tout de suite. Je peux aller nulle part comme ça. On va faire l'inverse. Ces stupides étudiantes écoutent papa aveuglément. Dois-je tenir le thé au chaud? Dois-je servir? Quelle bécasse! Écoutez aveuglément? Non. Je sais pas si je suis censé faire ça. Ça a passé. Ça a passé. Ça passera jamais. Attends, ici on a quoi? Parce que ça se trouve c'est le chemin normal. Hein. C'est embête pour rien. Je sens que je vais me faire piéger si j'avance. 100% j'avance et je me fais piéger. En forçant ça peut passer. Ça c'est ce que Bumby se dit tout le temps. C'était peut-être un petit peu... Ah c'est dans le thème, écoutez Ouais, je retire, ça va. Cringe. T'imagines, ça passe. Ah ! Ok, très bien. Mm-hmm.
Attends. Non ! C'était le vrai passage ? Derrière lui ? Derrière quoi ? Oh quoi, ça va vite. Tu sais pas, je vois rien. Il y a des dents, beaucoup de dents. C'est pas le crâne que t'as vu ? Pas ça. Après de longs mois de chômage, j'ai enfin un job. Je suis heureux de te soutenir avec la Pôle emploi monnaie. Sourire. Merci beaucoup à toi. Ravi de récolter la Pôle emploi monnaie. Bon allez, je continue, hein. Je ramasse pas les dents parce que comme ça, ça vous trigger un petit peu, mais on en a plus besoin. Parce que c'est là-bas. Pour plus tard, j'espère. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Ah ! D'accord. Ah, c'est juste pour des dents là, on s'en fiche. On veut des souvenirs dégueulasses, nous. Marcher sur la chair rappelle un peu le chapitre 4. Un petit peu. Thank you.
Ah bah voilà, c'est là-bas que je voulais aller. Excuse me. Ouais, on veut les artworks. J'espère. Surtout sur ce chapitre là. Le chapitre d'avant aussi, j'aurais bien voulu voir. Mais... je vais mourir. Bouchard-cut. Bonjour les hangars. Tic, tac. Cette gentille plateforme qui m'a pas attendu. Non, c'est bon. On empêche qu'un petit plateau de charcutes, je dirais pas non. Un bon pâté. Bon pâté croûte là. Ouais, la musique commence à être un peu... répétitive, ouais, je crois que c'est le mot, ouais. Pâté, saucisson, fromage et pain. Oh, du pain. C'est le pain du jour, quoi. Celui que quand tu appuies dessus là, tu entends la croûte croustiller. Ah, qu'est-ce qu'il y a, fan de jeu? J'ai pas vu. Petit œuf au plat dans lequel on fait trempette un petit bout de pain. Ah, j'ai mangé des œufs au plat ce midi même. Tu es enceinte? Ah oui. Je m'attendais pas à ça, mais je m'attendais... Oui, j'ai chopé une carte gold. Félicitations, effectivement. Bon, je sais pas si... C'est franchement le meilleur jeu et le meilleur chapitre pour annoncer une nouvelle pareille, mais peut-être que ça... Ça exorcise, peut-être. Oh oh. Pourriez-vous me laisser passer? Elle me dégoûte la poupée là quand elle se protège. Bye pot de fleurs. Tu saoules, toi? Pourquoi ça marche pas, là? Ah, c'est bon. Ouais, je suis perdu. Moi, je suis arrivé par là. Perdu, ça va dans tous les sens là.
Ah, souvenir Bumby. Et Salradula. Ceux qui sont blessés se repaissent des émotions des autres, Alice, de leur force et de leur faiblesse. Est-ce qu'il vient d'avouer que lui était quelqu'un de très blessé ? Peut-être une bombe, ouais, je sais pas. Je réessayerai. Tuer ou être tué ? Non, fallait pas te relever, toi. Easy. Viens, Alice, ne traîne pas. Ton train est déjà parti. Rappelez-vous qu'on ne pourra jamais compléter cette rose parce qu'il m'en manque un dans le chapitre 3. Dommage. La musique aurait enfin changé d'ailleurs. Menaces, promesses et bonnes intentions pavent l'enfer. Ça nous a reset la musique. Et c'est tant mieux. Il me semblait bien que dans cette zone, c'était pas censé être la musique qu'on avait. C'est mieux comme ça. Le train s'est arrêté. Je croyais que tu faisais une blague par rapport au jeu. On a un merveilleux 666. J'ai pas compris, ça a fermé ou ça a ouvert ? Le coupable libre et l'accusé à tort ne sont pas si différents. Les chaînes et les prisons prennent plusieurs formes. Par où je descends ? Le numéro du diable. Ah ! On va l'appeler tout de suite. J'appelle le diable. Le numéro que vous avez demandé n'est pas attribué. Ah merde. Dommage.
Attendez, mais par où on va là? J'ai l'impression que ça m'a bloqué le passage, j'ai pas compris. Où vais-je? Mais non, mais on n'est pas bloqué, c'est moi qui n'avais pas compris, mais quand j'ai validé ça, ça a fermé là. Donc j'ai rien compris. Il est où le vrai passage? Par ailleurs. Ah, attends, peut-être que si je... Ah, mais si, parce que maintenant, ça doit être ouvert ici. Voilà, d'accord. C'est bon. Excuse me. Super grid. Super grid, c'est gridière, mais c'est ça, voilà. Mais c'était dans... le cinquième élément. Faut que ce soit green, ok? Super grid. Merde! J'ai envie de le revoir, le cinquième élément. Ça fait bien longtemps. Juste pour entendre les répliques, là. Deux golden menus. On en est où dans les souvenirs? 5 sur 8 groin, 11 sur 17. Ah, changement de zone. Attention au toboggan piège. Où il y a des souvenirs et des bouteilles. Eh bien, pas cette fois. Tous ces bouts de métaux, là. Ah, les enfants de putain. Elle va où cette plateforme là?
J'ai toujours peur qu'on me bloque. Mais c'est bon. La vallée des larmes paraît bien loin, ouais. Ça et le château de cartes. J'adore le château de cartes. Pour le coup, le château de cartes, il est pas bien loin. Mon train est déjà parti. Oh. Le pont de cartes, c'est le jeu qui t'accorde un petit peu de répit. C'est vrai, on peut le voir un peu comme ça. Mais c'était tellement bien. C'est rafraîchissant, tu sais, tu sens que c'est très aérien, très... Voilà. T'as d'ailleurs, en ce qui concerne le rafraîchissement, buvez-vous ? Ah, êtes-vous rafraîchi ? J'ai pas bu depuis hier soir. Oh là là, mais vous êtes toutes sèches. Arrosez. Buvez. Et de l'eau, hein. Pas de Jet 27. Vous voyez ce que je veux dire? Ah merde, fallait passer là. C'est raté. C'est peut-être pas raté. Oui, mais peut-être que, voilà, c'est-à-dire qu'il est... C'est un fait. Voilà. Je n'aime pas du tout le Jet 27. Ah bah, on en parlait avec Miss... Oh. What a ref. C'était un alcool que j'aimais bien dans ma prime jeunesse. Oui, dans Shrek, on les voit, ces souris. Mais bon, elles viennent pas de Shrek, quoi. Des démons là. Y a rien ici. Ah.
plateforme qui se casse. Ça va trop vite, je rate des trucs. Sauve-toi toi-même et sauve les merveilles. Le lapin, sa tête a explosé au début. C'est vrai que dans la première cinématique, on voyait ça. J'ai l'impression d'avoir raté des trucs. Non ? Non ? J'arrive au ciseau, là ? Oui. Merci beaucoup, Anna Béral. Bienvenue dans les sub-tiers 1. Je me souviens plus, le lapin blanc, si on le voit. Ou... Je sais qu'il se fait écrabouiller. Dans le premier Alice, il se fait écrabouiller. C'est le chapelier qui l'écrase. C'est pas ça, mais je crois qu'il revient à la fin. À la fin, tout le monde est là. Non, pas encore, le souvenir porte. Bah, il me semble, à la toute fin, je crois que tout le monde ressuscite et qu'on le voit dans l'écran de fin. Faudrait voir la toute fin du let's play. Parce que le chat aussi, il se fait couper la tête, hein, on l'a même répété, là. Bien grand ici. Tiroir de bidoche. On va s'occuper des petits, si Alice veut bien viser. Ah, mais calmos. Peut-être qu'ils reviennent en boucle, hein, c'est possible, mais bon. J'en prends plein la tronche. Arrête de viser Nimp. Oh là là. Moi et la visée de ce jeu, je galère. Rien à faire. L'autre Alice. Ah d'accord.
J'ai pris fort cher pour un combat basique. Et encore, on joue en normal. Hein. Il y a le difficile et le cauchemardesque. Si vous voulez prendre bien cher. Et il y a même une robe en DLC qui te fait prendre plus de dégâts ou qui fait qu'il n'y a pas de loot de rose. Ah, on remonte, on remonte. Village des ombres, Wino. Quelle charmante machine. Réduis en poussière ce qui te menace. Y'a rien là? Ok. Les traits blancs, c'est parce que l'écran se casse. C'est quand j'ai plus de vie. C'est là que tu vois Crystal Bouvier Montgomery? Oh mon dieu. La ressemblance est frappante. Il y a un truc, hein. Il y a quelque chose. Ah, je dirais que c'est la forme du visage. Les lèvres, elles sont pas assez énormes. Eh ben, alors que Crystal s'envole. Qu'avons-nous là? Ah, ça, le rat du dû. Pas de temps à perdre, ni le temps du temps. Survivre à la fuite du temps. Aucun problème. Arrête. Run. J'ai des difficultés à m'asseoir. J'ai de nouvelles lèvres, c'est ça. Ce moment de gameplay vous est offert par EA Games. Grâce à qui nous n'avons pas pu avoir le développement total de ce jeu et qu'on a dû un petit peu rusher, du coup bah on a dit allez on refait la même épreuve mais pas tout à fait la même. Viens Alice, ne traîne pas. Ton train est déjà parti. Je crois qu'il reste une épreuve avec la tête. La tête de poupée.
Oh, c'est vrai. Je t'avais presque oublié, toi. Alice, vise le gros. Approchez, mon bon. Laisse tomber. Mais, laisse-moi le temps. T'as la visée me fout dans la misère. À chaque fois, ça vise les petites merdes, là. J'ai 1000 dents. Rien. Ah, pardon, excusez-moi. Excusez-moi, c'était un mur invisible. Il manque combien de groins? 2. Maintenant, je vois que Crystal, Bouvier, Montgomery partout. She's everywhere. Crystal, Bouvier, Montgomery n'existe pas. Elle ne peut pas vous faire de mal. D'accord? On arrive encore à vendre des poupées aux jeunes enfants. Bah, je crois que les petites filles, elles kiffent toujours, hein. Y'a quoi là? Non, c'est la suite là-bas. C'est la suite, ça retourne là. Par contre... sans venir le drame. Let me recommencer. Il doit y avoir un souvenir ou un groin là-bas. Ouais, il me semble que moi, les petites filles... elle kiffe toujours s'occuper du poupon. Après, je me trompe peut-être. Allez, on va essayer de récupérer la plateforme. Je sais pas si c'est faisable. Oh bah, j'ai raté mon saut. Merci. Il y a forcément un autre truc planqué, non? Peut-être pas en vrai. Je pensais qu'on pourrait peut-être aller là-bas, mais... en vrai.
Hello, jupette. Bon, du coup, j'ai tout raté, là. En vrai, y a rien. Très bien, de retour à Fort Résistance. On va avoir cette fois droit au nouveau passage sur la droite. Regardez-moi. C'est absolument... Ah, c'est subtil. C'est subtil comme explication, c'est subtil. Hein. Bah, ils sont dead. Oh putain. Y a pas de souvenir là-dedans ? Quand même. Les symptômes d'un corps défaillant sont flagrants comparés à ceux d'un esprit malade. Quant au traitement, nous soignerons bien des jambes cassées avant de guérir un fou. Car comment dire s'il est guéri ? Deep. Aussi subtil que ce que je cherche Dora dans le décor. Eh bien, écoutez, avec joie, nous allons nous enfoncer dans la suite du niveau. Cringe, cringe. Toi. Aïe. Allez, casse. Le coche. Ah.
pas si je peux l'atteindre d'ici. Il se vénère tout seul. Ça sert à rien ça. Ça y est, bah dis donc. Je comprends pas que là ils prennent pas de dégâts. Ah non mais tant qu'il y a la vis au-dessus là, il veut pas. Mais tu vises nimp, tu m'agaces. Bouge, 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 bouge. Je te jure, j'ai jamais les mêmes techniques là, elle m'agace. Alors, tu les prends ces dégâts? Tout de même. Pas bien pourquoi ça marche pas quand je me mets dans son dos, mais bon. On va dire que tout est normal. Jambes là. Bonjour Vanda. C'est une madame, c'est une poupée enfant. C'est une madame, c'est d'une poupée enfant. J'ai pas compris. Ah, le joli placard. Ah bah non, mais faut que je fasse un truc en fait. Ah non, 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 tu me refais pas ton épreuve de musique, hein. Es-tu prête? Ouais, non. Tiens. Pourquoi ça marche ici? Quoi? Écoutez, ça fonctionne aujourd'hui.
Et pourquoi pas ? Ne peut compenser ce scandale. Et pourquoi pas ? Au moins, voilà, on en aura fait un. C'est mon correct qui fait ça. Ah, ouais, voilà, je comprends. Moi, si je puis me permettre, je propose de le désactiver. Ah, la dernière salle Radula est ici. Faut jamais laisser le correcteur automatique, jamais. Jamais. Pourquoi ces têtes sont entièrement noires? Pourquoi ces plateformes sont entièrement noires? Jeu capricieux. Partir direct là-bas. Alors là, je pense pas qu'il y ait de bouteilles dans une salle Radula, non. Non, 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 non. Oh, sérieux? Refais exactement la même chose. Ah non, c'est bon. Ah, merci la caméra de m'aider dans mon... Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'elle me fait? Ne me remets pas au tout début. Nom de Dieu, il me remet là. Je viens d'arriver sur le meilleur gameplay du jeu, on dirait X. Merci Randolph, coucou à toi. C'est vrai, j'avais galéré pareil sur le let's play. C'est bon. Tu ne cesses de me surprendre.
Bah surtout ce chapitre là, il dégoûte pas mal. Hein. Et encore, t'es arrivé un peu après. Nul ne doute qu'on va retrouver des poupées avec les jambes écartées. Ah, gentille plateforme qui se casse. Moi, ça me va aussi. Mais est-ce qu'il n'y avait pas un truc à gauche? Comme un groin, par exemple. Apparemment, non. Je vois pourquoi cette plateforme est aussi longue, mais c'est pas grave. Des dents, de toute façon il ne doit pas me manquer grand chose là. Il nous manque 5 souvenirs tout de même. Ah c'est tout. Il nous manque 5 souvenirs. On a tout le reste. Donc on a les bouteilles. On va pouvoir avoir les artworks. Ça c'est bien. Alors qu'un gameplay de tête qui roule... Et de retour. Oula, attends, laisse-moi le temps. Bien, il y a eu dans ses faces. Bonjour Gabi. Ouais, il me semble aussi qu'il y a plusieurs souvenirs à la suite, tous de la famille Lidl, non? Ah, c'est raté. Elle est pas cloutée la tête. Tu sais, c'est quand tu coupes les cheveux. Putain, je suis très nul, très mauvais. J'adore faire les mêmes erreurs. Ma sœur, c'est ce qu'elle faisait là. Elle arrachait tous les cheveux des poupées. Et ça donnait cette espèce d'air clouté, effectivement. Très sympa. Merci beaucoup, Randolph, qui offre 5 subs. Si vous ne regardiez pas votre écran... Vous avez peut-être gagné un sub. Juillet September, merci beaucoup. Vous avez été très très généreux. Regardez le compte de subs. Le nombre de subs. 982. 982. C'est... Bah c'est plus que jamais. 947 là sur celui-là, bon parce que c'est jamais à jour les deux trucs. 947, je crois que c'est ce qu'il y avait au début du stream. Bientôt les 1000, ouais, là, bah, September quoi. J'avais jamais vécu ça. Et le mois n'est pas terminé. Donc
croirait un vrai streamer. Qui arrive à en vivre et tout. C'est dingue. Ah. Oh. Ça passe. Ah, si ça continue comme ça, ça devrait le faire. Au-delà du mois de septembre, le nombre de subs actifs a quand même un petit peu augmenté. On était à 300, 400, là on essayait d'avoir les 350, rappelez-vous, pour le 70-30. Et maintenant, sans même le demander, sans même en parler, on est au-dessus, hein. Alors qu'il y a beaucoup de subgifts. Non, pas de nouvelles du 70-30. J'en aurai pas, à mon avis. C'est terminé. C'est déjà ouvert. Ouais, voilà, c'est cool qu'on soit au-dessus de 350 sans prendre en compte les subgifts. Bon, il doit pas y avoir énorme. C'est bien, on voit bien ce qui se passe. Ça, je peux bien viser. Ça doit pas être beaucoup au-dessus, hein, mais parce qu'il y a vraiment eu beaucoup de subgifts. Mais tout de même. Alors là. Au secours, quoi. Juste au secours. EA Games, laissez du temps aux développeurs, nom de Dieu. Vous voyez bien que c'est pas complet, là. Plus de la moitié sont des subgifts. Bah, je peux regarder. Ah, j'ai cru que je devais recevoir un quart de cœur. Bah, je regarde après cette partie, hein, parce que je peux pas trop sortir du jeu. Capricieux, vous savez. Si nous vivions dans une société égalitaire, j'ai bien dit si, Twitch ne devrait-il pas donner le 70-30 aux petits streamers si le... et le 30-70 aux gros? Je dirais plutôt que tout le monde ait le même contrat, non? Après, est-ce que égalitaire veut dire... Enfin... Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a, il y a plusieurs sens à égalitaire, non? Là, c'est plutôt une égalité de revenus dont tu parles, je dirais. Enfin, je sais pas, je m'y connais pas bien. Moi, je suis plus pour l'égalité des chances, tu vois. L'égalité de départ, tout le monde a le même truc, et après... libre à toi de faire plus d'argent parce que tu as plus de subs. Et si avoir plus de subs te fait revenir à 30-70... S'occuper de lui maintenant qu'il a perdu ses bras. Tu peux pas remonter là?
Quoi ? Bah qu'est-ce qu'il m'a fait ? On apprécie. Ah, c'est parce que la plateforme est descendue, ça a fait n'importe quoi. Ah, et eux, ils sautent maintenant. Ouais, j'étais plus chaud pour 70-30 pour tout le monde. Moi, c'est ça qui me paraît plus égal. Plutôt que de faire baisser... Alors là, ça a fait n'importe quoi. Bonjour, EA Games. Ça, je suis d'accord, Vanda. Je suis d'accord. Plus tu as d'argent, plus tu as d'argent, en gros. Et tu peux... Enfin... Il peut y avoir un côté injuste derrière. Et moins tu en as, moins tu en as. Probablement, effectivement. Oh putain. Peut-être qu'il devrait plus à ce moment-là faire quelque chose du genre. Ta première année sur Twitch. Je sais pas, enfin... Un bonus quand tu te lances. Ou quand tu passes partenaire, quoi. Pas forcément quand tu te lances, parce que quand tu te lances, t'auras rien, mais... Finalement, c'est ce que Twitch propose, là, en ce moment, avec les compensations. Ah, la fameuse porte. L'exemple de la voiture, c'est vrai que ça passe plutôt bien. Une prime à l'embauche, ouais, peut-être. Pourquoi pas. Mais pour ceux qui passent partenaire ou affilié, enfin j'en sais rien. Partenaire, il y a quand même une idée derrière de vraiment... Ok, j'y vais à fond, quoi. Affilié, il le donne tout de suite. Le mixage son, attention. J'ai pu jouer un rôle dans ce désastre. Mais je n'ai jamais mis le feu. Les centaures n'existent pas, contrairement au docteur. Je l'ai vu, un étudiant sans envergure. Je me souviens de lui. Cette clé, c'est celle de Lizzie. Bon. Alice comprend ce qu'on avait compris déjà depuis un bon chapitre. Ce bruit.
Retenez vos larmes pour votre grand-père, mes filles. Il vécut longtemps. Et comme le dit la fable, la mort jamais ne surprend le sage, car lorsqu'elle se présente, il est déjà prêt à partir. Est-ce qu'on aurait raté autant de souvenirs que ça ? Il m'en manque quand même 3. Et on est au niveau du train. Ouais, il reste encore un petit bout de niveau, peut-être. Je me souviens plus de la toute fin. Ah, il reste quand même quelques petits trucs. Même escalier Jean Bonneau. Ils reviennent en boucle. Ah là, il y a un souvenir. De vouloir des steaks. À quoi tu montes les escaliers? Petite envie d'une tranche de... le jambon, là. Bien sec. Il voulait me faire faire des choses horribles. Mangez vos escaliers. Y'a que moi qui ai des pubs à foison. Là, c'est pas normal si t'as des pubs à foison, parce que... moi, j'en lance aucune, hein. On y est là. On y est et il va me manquer un souvenir malheureusement pour le 100%. Même 2. Merde. T'as essayé de recharger la page Que vous ayez aucune pub en étant sub, ça encore, ça me choque pas. Normalement, vous avez pas de pub. Enfin, je les ai désactivés. Enfin, je sais plus ce que j'ai fait, mais il y a quelque chose, quoi. Peut-être que j'ai désactivé que les pubs avant stream, mais les pubs en plein milieu, c'est pas normal. Ça marche. Je pense que j'ai raté 2 souvenirs. Hein. Bon, on a compris, hein, de toute façon, on n'aurait pas su grand-chose de plus. On a fait tous les liens. Ah bah, Nanette Bubule.
Nanette Bubule qui fout en l'air l'expérimentation. Et voilà. Et voilà. On était sur une procédure. Thèse, hypothèse. Et voilà. Ah, ses mains. Ah, les mains sont dégueulasses. Enfin, tout est dégueulasse, mais les mains. Ne suis-je pas la plus misérable et égoïste victime du destin ? Insouciante, je vis parmi les prostituées. Mon mentor est un violeur et un marchand de joie. Je suis la complice de celui qui a assassiné ma sœur et tué ma famille. Il a corrompu mon esprit. Je cherchais à soulager ma souffrance et vous m'avez détourné de la vérité. Tu y étais presque, presque libre de tes peurs. Tu aurais pu être guéri, tu aurais pu oublier. Oublier les souvenirs que j'ai de ma famille ? Ils sont morts, et tu devrais l'être aussi. Vous n'êtes qu'un abominable bâtard. Un meurtrier, un parasite buveur de sang. Ce que vous avez fait aux enfants, quelle torture ! Je fournis des services. Dans cette grande et terrible métropole, il faut assouvir toutes sortes d'appétits. Ma famille... Et ils vendaient les gamins aussi, en plus. Le train est en enfin, ils vendaient les gamins. Vous avez compris, quoi. J'ai seulement choisi l'heure et l'itinéraire. Le train arrive et ses wagons étincelants, ses sièges douillets et ses roues de diamants. Vite, mes petits, ne craignez rien, l'homme dont la lune est le mécanicien. J'arrêterai ce train. Je l'arrêterai, quoi qu'il en coûte. Ainsi soit-il. Tu payeras. Tu es perdu, et ton esprit ira bientôt rejoindre ton corps. Peut-être l'a-t-il déjà rejoint. Oui, j'avais pas compris ça la première fois. Enfin, je me souvenais que lui était un violeur, mais je me souvenais pas qu'il vendait des gamins, quoi. Les viols, enfin, c'est ce que je comprends, hein. Donc là, on est dans le chapitre 6. Le dernier chapitre, il n'y a pas de souvenir, on va juste avancer. Le juriste était peut-être un client, vu la manière dont il parlait à Alice et dont il voulait presque la convaincre qu'elle était fautive. J'avoue, pourquoi pas. C'était la comptine que chantait la petite lors du premier chapitre, ouais. Vous n'êtes qu'un pervers dégoûtant! Ces enfants portent leur nom autour du cou comme des animaux. Plus simple qu'un arbre généalogique. Faisant autant, ils sont fiers de leur origine. Vous mentez! Ils ont tout oublié jusqu'à leur identité. Combien d'esprits avez-vous ainsi égarés? Pas assez. Le tien aurait fait ma gloire, mais ce n'est qu'une ruine. Mon travail est fini. Le doubleur de Vegeta. Ah, moi je suis pas Dragon Ball alors. J'ai perdu son nom. Hermie El Famoso Brigitte Lecordier. Voilà quoi. Nous sommes sur le train. Chapelier, je dois arrêter ce train d'enfer et les forces qui le poussent. Le clou du spectacle, n'est-ce pas, Miss Marteau ? D'abord, tes recherches, entravées par ta peur des souvenirs.
Maintenant ce train, ce n'est jamais l'heure du thé alors? Si ton cerveau déraille, c'est fini. Nous sommes tous fous. T'aurais bonne excuse pour aller faire un tour en théière, mais pas pour tout oublier. Oublier, c'est oublier, sauf quand c'est plus compliqué. On appelle ça autrement alors. J'aimerais oublier ce que tu as fait. J'ai essayé, je n'y arrive pas. Vous m'avez abusé, mais vous ne me détruirez pas. C'est fini les poupées, oui. Non, les dégâts sont là. L'ancienne Alice et son pays des merveilles sont détruits. Tu n'es même plus capable de t'en souvenir. Tu ne peux rien faire contre ça, ou contre moi. Je m'en suis assuré. Tu viens pour ton châtiment, alors? J'ai fait quelque chose de mal, mais ma punition ne rendra aucune victime. Le sévice est le crime du fort sur le faible. Certes, les sévices sont insuffisamment punis vu les souffrances qu'ils infligent. Ceux qui assistent à un sévice sans intervenir pour la victime en paient le prix. Tes souffrances excusent ton manque de réaction. Mais tu dois payer ton témoin de la douleur. So. Ce chapitre, hein, tu sens qu'il devait se passer autre chose, hein, parce que là, on a juste des espèces de petites cinématiques intéressantes, certes, mais bon. Il n'y a pas vraiment de gameplay, là, je fais qu'avancer de wagon en wagon jusqu'à la loco. Peut-être enfin avoir du gameplay. Vous avez floué ma mémoire, mais je n'ai pas tout oublié. Tu aurais pu être une brave fille. Beaucoup de mes clients cherchent une belle femme sans illusions stupides, sans souvenirs encombrants, ni rêves de prince charmant. Tu n'en as fait qu'à ta tête, t'accrochant désespérément à tes fantaisies. T'es folle, comme ta sœur. N'en parlez pas! Vous n'en savez rien! Ta sœur était taquine. Elle m'a bien provoquée. Elle a eu ce qu'elle méritait, pour finir. Rude. Oh, Malaisie, jusqu'où ira ce maudit train? Folie et destruction. Tu ne devrais pas poser des questions dont tu connais déjà les réponses. C'est impoli. Tu sais bien que ta sœur ne parlait jamais dans son sommeil. Oh, non! Pauvre Lizzie! Il n'y a pas de centaure à Londres. Ta survie est notre salut à tous. Ne nous oublie pas! Il, en fait, il a vu qu'elle l'avait vu. C'est pour ça qu'il a tout cramé. Et voici notre premier combat de boss sur ce jeu, qui sera donc aussi le dernier. Le passé a un prix. Ah, le bruit de la main sur le verre, brrr. Dégoûte, ça fait araignée comme ça là. Score. Je peux pas l'attaquer là. Là là. Non.
approche. On a eu une main. Cette main nous a montré son cul. J'ai pas voulu le dire, mais c'est vrai. C'est vrai. Cette main, d'ailleurs, avec une alliance. Je sais pas si ça rajoute au glauque, mais... Et un doigt coupé. Waouh! J'ai cru qu'il me faisait un doigt. Pas sympa. Vengeuse idéaliste. À notre vie, hein. Je sais pas où je suis. Bon Dieu! Vous savez qu'on va mourir. Putain, j'arrive pas à viser. Il est mort, il est mort. C'était un combat de boss. Cette image qui rappelle la fin du premier jeu, où elle se réveille. Pas d'indulgence, non. En prison, d'autres détenus vont s'occuper de vous, croyez-moi, et pas par devant. Vraiment ? Une femme hystérique, anciennement internée, vociférant des accusations à l'encontre d'un scientifique et philanthrope réputé, grand Dieu, Alice. Qui va t'écouter ? J'ai moi-même du mal à y croire. Vous n'êtes qu'un monstre. Un jour viendra, vous serez puni. Par qui ? Par quoi ? Pauvre idiote psychotique, ta folie te condamnera. Va-t'en, ta remplaçante va arriver. Et là...
Bon, la scène manque de quelque chose, mais le fait de la revoir avec sa tenue du Pays des Merveilles, ça manque de panache, ouais. Ouf, je suis vraiment en train de crever, par contre. Regardez le Pays des Merveilles. Ah, Lidl, nous ne rentrerons plus. C'est ainsi, que veux-tu? Bien peu savent trouver le chemin, et ceux qui le trouvent ne s'en rendent pas compte. Les illusions s'effacent. Seuls les sauvages résistent à la douleur pour prouver leur qualité. Oublier est plus confortable, garder la douleur. Une torture. Mais certaines vérités justifient les souffrances. Le pays des merveilles, Amoché, reste dans ton cœur, pour l'instant. Fin. Alice a vraiment tué Bumby ou elle a simplement imaginé mourir? Je sais pas. Moi, je pense que c'est plus... Tu sais, quand on la voit avec sa robe... Genre, Bumby comprend que finalement, elle a pas vraiment oublié, que... Que la Alice du Pays des Merveilles est toujours là. Non, je pense qu'elle l'a vraiment buté. Après, elle est quand même dans le Pays des Merveilles, ouais, je sais pas. Il y a plusieurs théories. Soit elle est repartie en délire et... C'est pour ça qu'on la voit avec sa robe et... Qu'elle le pousse. J'ai envie de croire qu'elle l'a vraiment buté. Alors par contre, il n'y a pas de scène après, mais on peut aller regarder les artworks du chapitre 5. Nouvelle partie plus. Non, on va pas faire ça. Pour garder nos armes en difficulté supérieure. Déjà, on va équiper. Ah, vous voyez, cette fois, on voit. Voilà, on a terminé le jeu. Et là, on voit les pouvoirs des robes. Robe lilliputienne, durée de la mini-sensibilité doublée. Séance royale, santé limitée à 4 roses au total. Voilà, ça c'est bien difficile. Les ennemis libèrent 2 fois plus de dents avec la robe, la soie de Vénus. Sirène, les ennemis libèrent 2 fois plus de roses. Vapeur, les objets destructibles donnent plus de dents et de roses. Classique, Alice se rétablit en se faisant toute petite. Voilà. Vu la scène de l'asile, il serait mieux pour elle qu'elle ait été jugée et condamnée, je pense. Regardons les artworks du chapitre 5. Ah mais pourquoi j'ai ceux du chapitre 4 ? J'ai rien compris à ma vie. Il nous manquait une bouteille, non ? Non, ça a pas débloqué ceux du chapitre 1, donc je sais pas. Ma foi, écoutez, pourquoi pas. Peut-être parce que tu as fini et qu'ils ont mal foutu le truc. Non, mais regardez. Chapitre 1, on l'a pas, hein. Ah, les cartes. Le château avec le
le chemin qu'on fait pendant le niveau. Je pense que c'est en fonction des bouteilles, parce que vous savez, il y a les bouteilles normales et les bouteilles dorées. Peut-être qu'on a eu toutes les bouteilles d'une certaine couleur qui donnent ça. Souvent dit qu'elle s'est évanouie. Peut-être pour ça aussi que le chat a pris dit nous ne rentrerons pas. Je sais pas parce qu'on a aussi la scène où elle se réveille là dans l'asile. Mais bon, elle a sa robe. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Il y a plusieurs théories. On verra dans le 3. Voilà. Le portail des Malfoy. Pouah. Ah, tu vois, là, il manque quelque chose, là. On l'a pas dans le jeu, ça. Hein. Ça aurait pu être très très beau. Mettre vraiment très gros. Peut-être le boss que la reine aurait dû être. Ouais, c'est vrai. En plus, oui, on voit des cartes de reine de cœur. C'est sûrement ça, ouais. Ça, c'est le chapitre 5. Avec le train en bas. Ça fait très Little Nightmares. Le fait, même dans le jeu, hein, quand il a tous ces tiroirs là sur lui. Les meubles très hauts comme ça, ça fait très Little Nightmares. Le chouchou. Tiens. C'est qui ce personnage ? Mais les dessins sont très très beaux. J'adore, moi, ça. Qui êtes-vous ? Tu vois, on n'a pas tellement ce genre de décor, là. On a un semblant, là, avec les trucs dans les vitrines, mais on voit pas qu'on est dans une rue, dans le jeu. Je sais même pas si on est dans une rue. Si, on dirait une rue, hein. Là, en bas, ça fait plus comme dans le niveau, finalement. Si, en fait. Ça y ressemble. Et ça, c'est le chapitre 2. Du coup, il aura manqué que cela. Ça doit être ça. On a dû avoir toutes les bouteilles. Ouais, c'est ça. Ça, c'est les bouteilles de personnages. Donc les bouteilles, je sais pas lesquelles, hein, mais les bouteilles argentées, on va dire, ça devait être les persos, les bouteilles dorées, les artworks. Et on a dû avoir toutes celles des artworks. Bébé chien. Vous avez vu ça, vous ? Moi, j'ai pas vu, hein.
c'est moche visage. Poupon. Soldat de plomb. Ça, on l'a vu. On l'a vu dans le décor. On l'a pas vu animé, quoi. Enfant de putain. Et on va se laisser là-dessus, YouTube. Ça te va? J'espère que tu as apprécié. Si tu découvrais Alice, n'hésite pas justement à nous donner ton avis sur la fin. Est-ce qu'elle l'a vraiment fait? Est-ce qu'elle a sombré dans la folie? Ou est-ce qu'elle est guérie? Qu'en penses-tu? Toi, qui as tout vu. Des bisous à toi. Et on se verra pour le prochain Alice, quoi, du coup. Dans très longtemps. Bye bye.